Balimao Anokma, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Malion. Et urgent Chamamba de Baby. La première nouvelle aujourd'hui, mercredi 12 juillet 2023, la première bonne nouvelle, la victoire des forces armées maliennes contre les terroristes à Sogolo, est bonne nouvelle. La Comatex va démarrer demain, jeudi 13 juillet 2023. Malien, ko Comatex est venu à Baradamine. Alhamdoulilah, aïkerou blakana. Malien, bonne nouvelle, douman baou de bébé, vidéo na, aïa partagé, djien beka son, agneau de fana. Un complot en préparation contre le Mali et le Burkina Faso. Malien, complot du coup, le Mali et le Burkina Faso contre là. C'est-à-dire que les attaques terroristes planifié contre l'armée malienne et l'armée burkinabé ont tous échoué grâce à la puissance de fait des forces armées maliennes, grâce à la puissance de fait des forces armées burkinabé. Malien, il y a une information dont on a sorti que la ministre est en train de vendre ses matériels, ses blindés depuis la ville de Kidal. Malien, tiens de donner, j'ai la vidéo ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Tiens de donner. Ministre Morobe Kouga, maintenant on ferait comment y tient des. Ou bien qu'à quel chose on entend dans les. Mais j'ai la vidéo que je vais montrer. Donc il ne faut pas que l'État malien accepte cela. Malien, on en a son katakou frère, Rebelouma. Mais de toutes les façons, Malien chikana djoro. Malien, Moro chikana djoro, Bekana Hami, mais on va faire une autorité Morola. Andalembe Asimila, Ambalo Asimbe, la chief of ministre, y en a clé flyna. Comme ministre, on va faire kaka, Moblou dit Rebelouma, ou comment tient des doux. Erebelu yerebe mobulu kono ministre mobulu kono meno vilo fra ira aula sanno o yara pere bu flatte te mo kande mais malechik jak na tege anga da simila anga da transiona mais autant bali quand te tien fra fungena autant bali quand tout l'a dit. Donc vraiment on a reçu cette information malion bivilo nga jane et révélation parler de bivilo kono. Donc maintenant on rebe kala français là, voici les résumés que je vais dire ça en français. Malion, la première bonne nouvelle, victoire des forces armées maliennes contre les terroristes à Sogolo. Beaucoup de terroristes neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne et les matériels récupérés. Il y a eu des attaques à Sogolo. C'est-à-dire, terroristes ont attaqué, planifié Mali Dougou Tchama de la Bi. Mais l'armée résistera. Mais comment faire Romina? À Mali, avion de bombardement à Sogolo. Gaofana Marala, Outara Kataka bombardement dans l'Aurora. Les terroristes ont échoué une fois de plus grâce à. Grâce à la puissance de feu de l'armée malienne. Au même moment, au Burkina Faso, ils ont planifié des attaques contre l'armée burkinabé. Et l'armée burkinabé vient de les écraser comme les moustiques. Et alors que Bargado Malini Burkina la Malion amène à l'ENI information. C'est ça. A nous de fois, Bela Djelena, Konambesta. Donc, où est le ministre Moro? 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 Gao Bolongo ou ya fait Tambouctou. Bi, ou bien ou va mener en blanc, vente aux jachères la Kidal de Sanno. Donc, à Niafo Malien Beladjena, Bek et Mali Autorité Mourognana, awa, ministre va mener en betou, il reste sur le terrorisme boulot à la teme. Mais, en bas de la sur la sou, en d'alemboula, en avion, quel est le monsieur qui a blindé Ben Détroit, Ben blindé Krokorolo, mais le fait que vous battez au mangan coquet. Donc, la même vente de matériel et engins doivent continuer dans les 13 sites de la MINUSMA d'ici le 31 décembre. MINUSMA, au lieu que vous êtes nous ramener, MINUSMA va faire caca minaou, kouta, kou ferre, kou boubla, vente aux gens serres là. Ne boulot, nous n'en a qu'à la malikono, nous n'en a qu'à la malikono, a été en aucun minaou, mais la MINUSMA veut coûte que coûte vendre aux gens serres, vendre ses matériels aux gens serres. Donc, malion, donc on va aller avec les autres nouvelles. La Comatex va démarrer demain, jeudi 13 juillet 2023. Général Gamuko, secrétaire général. Voici le nouveau secrétaire général du mouvement Gatsia. On dit bravo au général Gamou. Voilà, Torko Youssouf Ak. Kade Mali fait. Fahad Boy. Fahad était un patriote, mais Fahad commencera à djenge. Donc, général Gamou, quand les gars t'a fait,
On dit bravo au général Gamou. Vive le mouvement Gatsia. Mali au nouvel Fanabé, non. C'est ça. Quoi, Ghanaïens ont fait un don à Burkina Faso de refouler. Les Ghanaïens viennent de refouler plus de 250 Burkinabés. 250 Burkinabés viennent d'être refoulés au Ghana. Eh, Mali, on est Kabakoma Koïde. Mali, on va y aller comme Fanabé, non. Il y a une nouvelle qui fait rire là. La Mauritanie est en train de supplier le Mali de rejoindre le G5 Sahel. Même s'il faut débloquer de l'argent, même s'il faut donner beaucoup d'argent aux autorités maliennes, Mauritanie fera Kalekando. Quand le Mali m'a donné G5 Sahel, la quoi G5 Sahel qu'on banne. Mais Asimiko Kalete d'où. Mauritanie présent, mais Kataka Saraka. Mauritanie présent. Mali, on va nous voler, mais d'où qu'on a bien. D'où venir Kachi Djao ta Kalamao. Quand Mauritanie ne fait qu'à ta mission de Saraka, Mali ni Mauritanie frontière, la mission Fima en Kolou Saraka. Aviro ben ma viro ben ira bela djela. Bi viro interdé, il faut partager drone. C'est terminé. Donc Malien, au nouvel ou de bien qu'on fait au bela djela n'yena. Le nouveau secrétaire général s'appelle des complots en cours contre le. Je vais faire une autre grande révélation aujourd'hui. Des complots de la CDAO, de la France, contre le Burkina Faso. Pour déstabiliser le Burkina Faso, Malien, ja, Francis Kalame, la France a envoyé. C'est Francis Kalame qui a sur la sous de Tako Bla. Niger ni Burkina frontière là. Oka, ni Niger drone ou menale, Francis Aradar ou bafo terroriste ou yon a. Non, ayao kolosi, Niger drone ou menale. Pour protéger les terroristes, la France envoie ses mercenaires à la frontière entre le Burkina et le Niger, dans la zone des trois frontières. Selon le journal Faso Times. Après, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, Malion. Il y a un peu de temps, Jean-Luc Mélenchon, il y a la France qui a opposé à mon père l'élection, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon de comment on appelle là Jean-Luc Mélenchon, voilà, est bloqué là. Jean-Luc Mélenchon, comme Macoroma, quand Chinois avec l'Afrique de développement, voilà ce que Jean-Luc Mélenchon a dit à Macron. Jean-Luc Mélenchon tacle Emmanuel Macron. Comment voulez-vous être un partenaire fiable et influent en Afrique avec un gouvernement médiocre? La Chine propose un projet d'infrastructure. L'Inde propose un projet d'agricole. Et la Russie, un projet sécuritaire. Vous, les Français, vous voulez promouvoir l'homosexualité. Quelle médiocrité, dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, à quoi Macron, et il souffre quand on marfa ou dit qu'on a quelque chose. Quand tu fais la coca, quand tu as une chèque ou qu'on a mousso ni mousso, manamana quand on a une démocratie. De aïe na wardi moroma, aïe na moro de menifonye, aïe marfa ou dama, Francis Flané kataka, mamana fombla et Francis Flané kaka armement, aka missile moumbe rebe non, na puissance kabou, Francis ota kodi ikrenma. Mouna Francis modi, malima malika ta terrorisme ou bombardi. Au contraire, c'est la France qui a interdit à l'armée malienne de rentrer dans la ville de Kidal. Et c'est ça qui a causé la déstabilisation du Burkina Faso, la déstabilisation du Niger et dans tout le Sahel. Donc, Malien, on amène à de nouvelles connaissances. La première bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi 12 juillet 2023, l'armée malienne vient de frapper très très fort contre les terroristes sur plusieurs axes. Malien, Mali Sourassou avec Cap, Terrousou, Bounté, Sogolo, Gao, Menaka. Eh non, Mali avion avec Mounoun là. Ça veut dire que des troupes au sol, des bombardements aériens contre les terroristes. Nous, 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 communiqué numéro 13 de l'état-major général de l'armée. Écoutons ici, chers Maliens. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont déjoué avec un remarquable professionnalisme une embuscade contre une mission de ravitaillement en vivres des populations dans le secteur de Sogolo en fin de matinée de ce mercredi 12 juillet 2023. L'exploitation des renseignements combinés aux actions terrestres et aériennes, ont fait un bilan provisoire côté ami, 3 blessés légers évacués sur Sévaré et 2 véhicules légèrement endommagés. Côté ennemi,
sur les lieux de l'embuscade 22 terroristes neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. 12 motos détruites, 14 AK-47 et 3 PKM récupérés, divers matériels récupérés. Par ailleurs, l'évaluation des frappes aériennes contre les rescapés terroristes retranchés dans une forêt de Famabougou est en cours. L'état-major général des armées précise que ces terroristes estimés à une cinquantaine sont responsables de multiples harcèlements contre les forces armées maliennes et des abus contre les populations dans le secteur. L'état-major général des armées souhaite un propre rétablissement aux blessés et rassure les populations de l'engagement des forces à combattre cette nébuleuse terrorisme. Mali, on commence par la sixième barabla. Mali, sur la souille, est terroriste, bâtien de frappi. Au bon là, quand il y a une forêt de colon, quand il y a une bintou là, Mali avion, Mali aradarou, Hali donna mene mene wola bilabo. Mouni bo kone koko aï, mouni bo kone flè, atene ka sinoko koi, mouni bo kone ta sinoko la sisane, mouni bo kone ka aradarou ve mounou na safra la samno. Sado kamara keni koko duwa ou kako bebana peu, mouni do fo bela djelena, asimi be chesu ko nyimina kuluba. Mali ki djao la fiale me siente la, colonel, général, Wage, obé réconciliation, obé ka Mali en frayon koka. Quoi, les cinq colonels ouverts à Mali Kounawolodi avec le premier ministre, le meilleur premier ministre dans l'histoire du Mali, Shogel Kokala Maïga, gardez-vous bien. Il y a des fois, ben, de l'ingénat. Le Mali fla dénuement de Bolobi. Awa, Djougou Bébé Malobi, les ennemis vont mal dormir ce soir. Ou y a attaqué le Franke Gao, ou y a attaqué Mounke. Mali Sourasou est terrorisé Mourani Hagé de Fara. Mali Bokone Kale, Kop Bissouina Bé, allez, c'est ouvert à combat, que je suis là, Dibi Dibi là. L'armée malienne est en train de les botter les fesses dans l'ombre. Malgré qu'il fait nuit là, l'armée malienne est en train de les bombarder dans les forêts. Allez, souffle, Mali avion, mais c'est à Oulika, Yelika. Alipou, non, c'est pas possible. Terrorisme, ou bien qu'on est drôle. Ou bien qu'on est drôle, Fambé, mais Mali sera sous Kaleka, le coup tout toi. Ou bien Mali sera sous attaqué, Morti Marla, Sogolo. Ou bien pas tourné, ou bien attaqué contre l'armée malienne à Gao aussi. Mali sera sous Yuka, moto Tchama détruit. Moto tanfla, soit terrorisme mourant flaco, ben fera yoron kele, quand terrorisme bidou de l'eau, mais on ne peut pas de kale tabla, allez par renseignement poussé, fa terrorisme, faut qu'on ben fera di. Allez nous donner maintenant la kale tout toi. On a terminé quoi faire à bala tourni, ou y'a ou ka marfa tan aninani, marfa grimamba tan, AK-47, ani PKM ou y'a ça va récupérer, ou pour kale ka de kou tout toi. Et puis, ou y'a ne attaque ke mokti marla, on ne peut pas ou clara katara anga surasu attaque gao mara yoro fana ofana imagine ofana fait semaine be orla mono kala malion ay orla jede urgent des hommes armés viennent d'attaquer le poste de contrôle des Diré en allant vers Gundam. Les femmes ont vigoureusement repoussé l'attaque en neutralisant plusieurs terroristes. Nous kuna bodro asibi be gongoli sikuku mure bo koneka aradaru be fambe ah malion. Et moi, je vous l'ai dit, je contrôle la clé flana. Parce que nous avons eu le coup d'état qui est Ibeka. Nous avons eu le coup d'état qui est Asimila. Nous avons eu le coup d'état qui est terminé. En tant que nous avons eu le coup d'état qui est terminé. Nous avons eu le coup d'état qui est terminé. Nous avons eu le coup d'état qui est démarré. Comment le coup d'état qui est terminé. Il y a un fois, non. Asimila est Mali, il est venu. Donc, Malion, ARN, ni nouvelle douane. Ou Tarana Sourasou attaque Mokti. Quand tu attaques Gao, quand tu attaques Nara. Mais Mali Sourasou y a Bedadji. Bravo à l'armée malienne. Malion, quoi G5 Sahel Fanatouni? Comme Mauritani président, Ayala Djamou Sebenebe Anode. Agne information d'Osro. Agne information d'Osro. Aujourd'hui, mercredi 12 juillet 2023, les autorités mauritaniennes inquiètent quant à l'éventuel d'une confrontation guerre Mali-OTAN qui semble se dessiner procédant à l'immolation de bœufs, sacrifice 200 têtes de bœufs noirs afin d'éviter d'être à l'abri d'éventuelles frappes pouvant causer des destructions massives sur leur territoire qui pourraient servir de champ de bataille eu égard à la capacité nuisance de l'armée malienne. Alors, Mortari Djat, il y a un jour de Tara Katara Missi Saraka Obo, il y a une vidéo là, avocat Franbi Ameno Kala, il y a un Missi là. Missi, il y a un Missi là, il y a un Missi là, il y a un Missi là,
Ndé faka imagine ira ko tanga vidéo signaler quoi. Voilà. Ni misu de faka fakale voilà. Aire imagine te faka ira kosobe. Voilà. Donc ou même misu ou tara misu de daku kantike misi kemefla. Misi fima ni misi blema. Mauritanien on est à Rofara, on est Mali frontière là. Quand Mauritanie présent, qu'on connaît assimilement dossier 5 Sahel là, qu'on n'a pas ta là. Quand Pissasi, qu'on force même Mali armée là, qu'on est Mauritanie ici. Il m'a frappé à Nyangouyaï, à Warabou Fran Nyangouyaï frappé. Mauritanie n'a qu'à Saragadou de Bo, voilà ça, Mali, parce que G5 Sahel est contraint de signer au Tantier. Ou même faire un Mali négandi. Mauritanie présent, quand nous avons dit assimilement, qu'on a assimilé, qu'on a assimilé à Farouka. Ou yawa asimi wala kuma wardi asimi ma asimi kokate warmine. Ou tara do ka moruka. Konu ye misi ou ka borike kuma konu ye trois blé trois fin keme fla faka troko asimi sargale noyi. Allah ye nyoka me faka asimi at aka barate sa asimi la. Anya asimi kalfa alala. Je e avec asimi. Je e avec capitaine Ibrahim Traoré. C'est terminé koi. Komo tan de fla sarga bola koi. En vocal do fana be ango vocal fana me nyoka fe. Ewa muna. E aya ketude. Voilà, Ajo. Aywa Muna Missi Kema Flanuko Be Kantigara Nogonfe. Aya partagé. Ouratikili. Muna ou be tara kantige Euro Kilim Pe Fanala. Muna ou Euro Tara be Mali frontière Dema. Ye ou de Sugane Kata Straka Yboy. Oh, kuna folu ni jatimina ou bajira kafo. J'ai Sahel, Jamana Nyomaou, Uni Ota Jamana, Nouvelle Mauritanie, à Nouvelle Famba, et Kafere Benla Djelenke, Kakeni Fratiga Lanine, ou Sega Anga, Mali Chamacha Fanga, Defri Chugumina. Donc, si la Nodou, Jamana Nyomaou, Mali Konabi, Uni Jamana Doun de Binoufé, ou Kanunu Kosebe Jamana Kona, Fanga Beula. Aywa, ouye quelqu'un mina mounou fana san, akacha, ou fanga ou fana kabo. Mauritanie siranendo, ou ba fe kata ou daga Mauritanie de kakele inke. Ou Mauritanie siranendo, akele mashuba na jahadi nye, ana balou nye. Kadaka en kabini jadizu, ouye ekoli dojo Mauritanie. Terrorisme, calamèque, école minage. Attends, ça fait djihadisme, calamèque, école minage. Aïwa. Oui, mon mot formé. Ani djihadisme, mon bé, ani fagali djira, l'anno, l'oubola, oui, kouban, mien, outara mortani. Aïwa, ben, aïwa, de frano, kouka, kouka, kouye, outan, bida, ou kofé. Oma, oui, j'ai oublié, kaleke. Oni, kele, ou lila. Bomu munu ni olu mangutura kube malikono. Keleke mina munu mangutura kube malikono. Yari Mauritanie jamana ere de tina ke keleke dugu kule uwa. Ama shuba betina taji Mauritanie deka wa. Ujirobi Mauritanie na. Mauritanie miseka kisi chukumi. Mauritanie miseka boni mkwe na chukumi. Mauritanie miseka laka na chukumi. Aywa. Jamana nyemuko kala nyini mieux fera y a rega doni gelo fe odi ya kasraka bo straka ba ha misi sugu munu fora ya yolo di straka bo na ye misi nunu laje aba ye dobe olu ye fi man kri 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 bo manja fana hake doni do o dobe olu ye fi man yinku disida ke jema ye fana hake doni do dobe olu be bleman de fana hake doni do ewa misi nunu koni Koble mese kaka nyebo ila chugumina kakunda mawareka kakisi ayo odi uka hakrinaye o la nyine de sabati lefle ayo anye kunafoni minsoro kabo Mauritani o kunafoni ndene basa mgo ya mwile kanyofoni kanye kuna ye jayi mbega laka liflakana o numa boka nyofoni kanjena fomo Oh, anga jamana nyuma ukaseka fere bela jelen tike uku labe. Aywa, kuhi risipe kandeme, uwe chenye, nga ane rebisi mina kwa angu fere utike. Nyala sonama. Kadaka ulu sigile mkoni du aka, kafo duna nata ula kelebe na uli. Nga abena uli chuko mina, abena uli dun kere kere ni mina ulu tudo.
ni kone kuna funi ayi misoro a tena galon o bi ala bolo nga mogola somine o funa shubaga ile salam alaikum malion abela jele ni mesamno ah flesa de ah se wo tumara de bora ka foka nga prepare sino ko be fe ka kala de wulana ah go ah se ku banja te la chere fana ma ko sisa yaro ne mani mbla de ne ba fodi anga akli to angerla ne ta foka mogo jatike ne ba don malion ali bi anga dofra anga simi de melika ube ka saraka jugu sugu be bo amunu be mani yere kono bali den jugu do be ka saraka bo ka saraka shima mene uye trouble ni misi blen bo ka woro blen bo ima woro woro blen te sara ba mako sugu labi woro blen te sara uye woro blen saraka bo ka dunu ngoro ni saraka bo ora to asibe ka gouvernement kro insiki asibi ma fenfo na asibi kun ko be da gouvernement changer billahi ta allah ukumbe chokorba ukumbe ukumba ukumba asimi nyengini chama ndigele mbor la koyi awa sa passe pas ama mauritanie do mauritanie ne fra wulle mbebi ah malion ni kabako ide et puis quelle coïncidence wati kem na mauritanie be kan kem malila gana fana be ka burkina be ire foulé ka bo gana ya un autre complot contre le mali je veux bibiro en karide wallahi do be sama kashi bibi mena ire révélation do daou tege ka franci kele be ka taka sura sou blanc mali ni niger mali ni burkina frontière là franci kele be ka taka mercenaire ou badé fana blayi meno fana ire révélation ira aula tout de suite mali te ka terrorisme ou buntea ou ya mali attaqué ka burkina attaqué et mortali président matani ke sanno ou be saraka djougou bo ou ya ko beke ka plan sou beke ou ma se asimina ou ya kouta ou préparé mori bokone no ya mangami kouna ba mori bokone ba tega ou tlo koro ou te sara ko bela ou ma se ka kouta ke grâce à la vigilance de la SE grâce à la vigilance du peuple malien aussi amé mori bokone fo amé malien bela de l'effort amé mal mal mo mo be ka transition soutenir ka a surveiller bek an ado fara vigilance kande que Dieu sauve cette transition. Donc on rate mais on va faire kabala malion abela jele mortanta mortanta te mais on va faire kabala malion et l'aménagement est en train de vendre ses véhiculesau kuma tien de do malion mena roira aula la vente à rosebe aula voilà nya ro semaine titre la aula mena kala malien de bela jele ngamede voilà ce que j'ai écrit ici. Voilà, la vente des véhicules à Viro Flemme, à Viro Fonaboko, il y a là. Ah, on a un gars, il y a un vidéo, il y a un refait. Moura Mounko, voici les blindés de l'aménagement aux enchères. Voici les blindés de l'aménagement aux enchères. Donc, comme ministre de Kaka blindé au Ferret Kidali, tiens de Yokoumanye, et les belles ou y a des vidéos, Kaka, ou Kaka Kouma Tamashéki Kana, je vais vous montrer ça tout de suite. A ma foi, présent, Asimigena. Aga kangar da ministre Moroye ou kana ou ka fon feri ere ba l'uniforme made ou ka tanou ka minawni. Je vais vous montrer ça tout de suite aujourd'hui et mercredi 12 juillet 2023. Voici les blindés de l'aménagement aux enchères filmés par les rebelles de la CEMA à Kidal. Ayoro Fleni. Amangini Mali etafe amba fo président Simingena ni ministre mo bu ko fe mu feri ou ga feri Mali autorité ma ou ga na feri privé ma ou ga na feri mo ko vraiment nous demandons au président de la transition malienne président Assimi Goïta nous demandons au président Assimi Goïta de dire à la ministre de vendre toutes ces affaires aux autorités maliennes et non les secteurs privés. Et non les personnels. Parce que, en tant que faire à bite rousseau, tu es là. Ni ministre de la Femme ou Ferré Président Assimi, il faut qu'il y ait rebassé. En tant que ou gâteré, ou y a damine gao folo, ou y a gao ke ka tombouk touke, si ça trouve qui dalle là. Bon, nous, on va faire un ferro, mais t'as dit rousseau de moi. Ils ont beaucoup de matériel. Moi, je vais beaucoup tient à la tienne de l'oulet. C'est la vérité. Et au rôle de faire la autorité au rôle vraiment, cela on tient beaucoup à ça. Donc les mêmes matériels et engins doivent continuer dans les 13 sites de l'aménagement jusqu'au départ du 31 décembre. Ou bien faire continuer une barane là. Ni ferré, ni fait mouna. Ministre de ferré mouna, amba fo présent, si mina ka fo ministre na ka ferré une journée. Malite, parce que vous êtes sur la terroriste. Donc vraiment, on va au refaire. On va au terminer, on va faire, on va dans
information et révélation d'Ougolim Badola. Ah, Malion Bivido en Kalide. Kona Meta Ambesse. Anyo de Fou Abela Djelengena. Ango Auma. Mon Mali Sourasou Bora. Ou y'a terrorisou neutralisé. Dire. Youssouf Ak. Complot Bado Fanabe Kalaben. Malion. Et Kof Francis Sourasou. Malion. Lutte contre le terrorisme. Des complots en cours contre le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, mercredi 12 juillet 2023. Afrique, déstabilisation du Burkina Faso. Oumaru Sissoko et Nana Afou et Nana Akufo Addo mettent Bola, le nouveau président du Nigeria, à leur école. À leur école. Aussitôt pris fonction, aussitôt de mauvaises intentions lui sont inculpées. L'actuel président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, après avoir reçu des instructions suite à son déplacement en France, et à eux de la manière à ce qui concerne la déstabilisation du Burkina Faso et du Mali. Le nouveau président ghanéen, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son associé Ambalo, président de la Guinée-Bissau, forme un complot bien orchestré contre le Burkina Faso et le Mali. Feront intervenir le président, le nouveau président nigérien en exercice de l'organisation ouest-africaine. L'objectif est de ternir une fois encore l'image des autorités burkinabées et les autorités maliennes devant aux yeux de la communauté internationale. En effet, lors d'une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, le président sortant de la CEDEAO, M. Ambalo Sissoko, fait allusion à une stigmatisation de la communauté peul au Burkina Faso. Selon le plan juste, après cette déclaration, le Ghanaien Nana Akufo-Addo mettra hors de son territoire les peuls. Une chose qui est faite. Entamés dans un camion, les peuls sont maltraités au Ghana. Certains peuls, individus manipuleux, diffusent des informations parlant de la stigmatisation de la dite communauté. La stigmatisation de la communauté peut tirer des propos de Ambalo Sissoko est annoncée sous forme de défendre pour la cause des peuls. La même communauté qu'on défend, cette même communauté est maltraitée par les autorités ghanéennes et restée dans son champ de maïs sans un mot. Le président Ambalo Sissoko est resté dans son champ de maïs sans un mot. Ce silence a interpellé l'attention des observateurs qui ont dénoncé plusieurs centaines de déstabilisations, plusieurs tentatives de déstabilisation au Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont compris la leçon. Les alliés de la France, Oumaru Sissoko, Akufo-Addo, ont tous les mêmes intentions contre le Burkina et le Mali. La déstabilisation au Burkina Faso et au Mali, toutes les communautés sont considérées au même type d'égalité au Mali et au Burkina Faso. Il n'y a pas question de stigmatisation si ce n'est qu'un complot pour paralyser la mobilisation patriotique du peuple burkinabé et peuple malien. Les observateurs exhortent les populations maliennes et burkinabées à une forte solidarité contre les manipulations. Plusieurs tentatives de déstabilisation ces derniers temps au Burkina Faso et au Mali passeront par la communauté peul. Seule la détermination des leaders peul à soutenir les autorités maliennes et burkinabées mettra fin à ces coalisations de déstabilisateurs. Quant aux présents ghanéens et bissau-guinéens, respectivement Nana Akufo-Addo et Oumaru Ambalo Sissoko, ils sont suivis de près par les observateurs. Les médias panafricanistes se sont engagés également à dénoncer ces complots par la liberté du Burkina Faso et du Mali, par l'Afrique en général. Ariel Mokasso, source www.leuropeafrique.com. Malien, abela djelé nous koumame. Nous complots n'est qu'à tracer. Ou y'a Burkina Bé donc, et les foulés kabok Ghana. Koubla kata Burkina, ametla ko viro fraira aoula. Le deuxième complot contre le Burkina Faso et le Mali. Voici le deuxième complot contre le Burkina Faso et le Mali. Malien a une vidéo partagée aujourd'hui, mercredi 12 juillet 2023. Francis Kelembe Kaga, mercenaire de Blas dans la zone des trois frontières.
Malien, aïe ne kouma la mède. Ça donne des larmes aux yeux. Aïe ne yor la mède. Ce que je vais vous dire là, c'est vraiment, c'est la honte. Aïe ne yor la mède, Malien. Lutte contre le terrorisme. Fourniture d'armes, de carburant, de munitions et de logistique de combat, les forces étrangères stationnées à la frontière burkinabé, à la frontière Burkina-Niger-Mali, seraient prises pour responsables. Selon les informations reçues des sources fiables, le service de renseignement burkinabé détient les preuves que les stocks de carburant d'armes, de munitions, de logistique, de combat progressivement rassemblés pendant des jours au nord et à 8 km de Djebo ont été entièrement fournis par les unités de l'armée française stationnées à la frontière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Précisément à Tillaberi, les éléments de l'unité française, à une vidéo partagée, les éléments de l'unité, comme maintenant, il y aura traduit par Manangana, Malion, comme Français ou Kelemé Katouka, sera sous des blas dans la zone des trois frontières. C'est-à-dire, ni Mali peut faire un terrorisme ou Bounte, ou pas Bourgogne, Francis Bourg, toi là, du Niger. Ni Burkina ou la Kabeta terrorisme fera. Non, pour la Kado Niger. Francis Trossou avec la surveillance de quai. La zone des trois frontières. Français ou Kabazibé Niger. Allemands ou Européens ou Américains ou Bekabazibé Niger. Mais Francis de Beni Baradjougou Baina. Francis de Kelemé Kaka Trossou d'Akatou Bla. Mali ni Niger. Mali de Burkina frontière là. Pour que la terrorisme soit protégée. Quand on y a un vocal de Kala. Terrorisme donc, Koumbe et Moro Koumbe Fakatou Mene. Francis ou Mene Koulou ou arrêté Katou Don Kassoula. Parce que ni Burkina sera Burkina Boufara, ni Mali sera Mali Boufara, mais Francité fait terrorisme ka fara yere. Ayo kuma ina mede. C'est ça. Ou ba kata essentiel de terrorisme. Ka barfa douma. Mais ou ka camion d'offre mena na mena ofra vidéo ira, ou la vidéo in kadile Malien. C'est une vidéo très intéressante. Et regardez ce que la France a fait. Fourni ay nora la mede. Entièrement fourni et je m'excuse. Des matériels d'armes, munitions, de logistique, de combat progressivement rassemblant pendant des jours au nord-est à 8 km de Djibo ont été entièrement fournis par les unités de l'armée française stationnées à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et le Niger, à précisément Tillaberi, les éléments de l'unité française sont actifs dans la zone des trois frontières, comprise entre Ayourou, Darkindé, Deikaina, ils infiltrent le Burkina à partir de Tangouja, Tampatiga et Djangergou. On doit douer nous met dans la zone des trois frontières. Donc Franci Kra, inspecteur Téric de Saint, Franci Bekatigi Djo, aux zones des trois frontières. Ne m'en voir en Franci de terrorisme. Le mode d'opération a été entièrement filmé. Et les militaires français clairement identifiés en train d'entreposer des armes, munitions et carburant dans une cachette dans le village frontalier nigérien de Léoro, puis des villageois terroristes camouflés en civil ont transporté la cargaison divisée en plusieurs lots dans le village de Tangouja, le point d'entrée sur le territoire burkinabé et Tangouja, Tambatiga et Djangergou. Malien, abela djelé nous koumame ça. Donc, nous devons nous lever dans la zone des trois frontières. Francis Kelemé attaque à Sourassou, basé nous devons nous lever. Aïe, comment il t'a dit? Les stocks divisés, plusieurs lots seront transportés, des éléments en civil. Les chefs terroristes informés de l'arrivée du matériel à bord, à bon port, ont également quitté les villages nigériens de Tomare, Baria, Ayourou, pour destination du village burkinabé de Sofikel, un village de Seitenga, pour une réunion de préparation de l'attaque. Ils seront suivis et verrouillés. Il ressort de la réunion que les directives et des renseignements ont été fournis par les militaires français pour créer les conditions favorables à l'attaque. Des snipers devraient participer pour soutenir les replis et les radars devraient détecter les mouvements des drones burkinabés et maliens pendant l'attaque pour permettre de replier sans être vu.
France il ka aradaru de Jossano, Malini Burkina, Malini Niger frontière là. D'après Faso Times, voilà. D'après Faso Times, la Masrou c'est Faso Times. Donc Malien, France quel mec attaque aradaru de Bla, la zone des trois frontières. Ne terrorisme maintenant Bundendron. Ou à fouiller la caille. Nous avons mané drone dans notre nous avons Burkina drone dans notre drone. Et drone dans notre Burkina drone dans notre donc, terrorisme est tout là. Parce que, mané de Burkina, quel est le mec qui a été opération Capidou. Opération Capidou, ou bien qu'à terrorisme fagaton, ou beaucoup fagati. Donc, ne terrorisme banan fagara sahel la sa. Ou terrorisme banan, ou là, n'a pas tenu à faire la bli. Mais il faut que terrorisme de Kachaya, pour que, pour qu'on ait raison. Francicato, Afrique de Sahel Konana. C'est le. Voilà. On a été fourni par les militaires français pour créer des conditions. C'est le dernier jour à la date du 9 juillet 2023 que l'armée, ayant toutes les informations, a identifié les stocks et l'a détruit en même temps que la réunion des chefs qui devrait être planifiée. Je vais vous montrer une vidéo de Franco Kouiraoula. Où m'a attaqué préparé. Où Donald Dugumina. Burkina Dugumina, comment on a attaqué préparé au cas où Burkina. Ma fana, mon renseignement, il reçoit un renseignement de Marini Burkina Massa. Bon, à la tête, Burkina information du même bon côté reçu par la Tchoukamina. Burkina Béotara, où nous m'ouvrons d'autres dona. Burkina Béotara, Burkina Vidaso, les populations amènent, où y'a mouneke malion, à la tête, où tara, où y'a mouné, à y'a n'y aura de malion, malion bekaje kanadien, nous on fait. Voilà la vidéo ici. À y'a vidéo nadjede. Voilà. Agnate, ni est terroriste comme Minandi. On donne un camion bas de la Burkina du Goudola. Burkina Flair pour Minet Anto. Agnate, Jama Borina. Agnate, Jama Borina. Où est le camion bas terroriste. Ah, il y a balade. Tu as vu? Trois camions remplis de motos et des pièces détachées seraient arrêtés par la population de Boulsa qui estime que c'est destiné aux éléments terroristes aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 12 juillet 2023. Ah, ben là, je l'ai à la vidéo, il s'en non. Maintenant, Burkina Télévision a mouné pour ça, non. Voilà une autre grande révélation que je vais vous montrer. Ah, Biviru Nkadissa. Eh, Aladé. Malion, regardons d'abord les nouvelles du front, du Burkina Faso. Voilà le travail bien propre. Malion, terroristes Kako Bana Mala, terroristes Kako Bana Burkina. Écoutons ce que le Burkina a fait contre les terroristes. Voici une grande victoire de l'armée burkinabé contre les terroristes. Malien, écoutons. Des combats sur l'ensemble du territoire et des frappes aériennes à Bouroum dans le centre nord. Les échos du front font également état du ravitaillement des populations dans la région du Sahel et de l'Est. Le commentaire de Bienvenue Tonsa. Sur la base de renseignements, les recherches ont permis de localiser au cours de la nuit dernière des groupes terroristes dans les hameaux en périphérie du Bouroum dans le centre nord. Ils seront traités avec succès au niveau d'un bâtiment. Bon, terroristes, voilà. Les rescapés s'étant réfugiés sous un grand arbre seront également traités avec succès. Par ailleurs, plusieurs combats ont eu lieu sur l'ensemble du territoire et des ravitaillements vifs ont eu lieu avec succès dans les régions de l'Est et du Sahel. Les unités engagées dans ces escortes ont toutes fait face à des embuscades ennemies vaillamment repoussées avec succès. Malion, Abela Djeleni est sans nom. Et pire encore,
Kubeka a commencé, Kubeka a commencé, Koka Burkina Faso, Kuga Moro est refoulé, Kabo, ils sont en train de refouler les. Et puis, Oubeka Burkina, Flam, Oubeka Burkina, Oubeka Kolo est refoulé, Kabo Ghana. Maintenant, on fait la vidéo, Kalamali, on va dire que la gêne, on va faire une fois, la gêne. Aïe, à quête, voilà. Amena so ora di masan. Kwe, Oubeka Burkina, Burkina Faso est refoulé, Kabo Ghana. Ou bien Burkina Faso doit refouler Kabo Ghana. Mali on met une vidéo qu'elle a mis déjà coulée. On fait. On le fait. On a mis un peu quoi. Voilà. Donc un autre complot contre le Burkina Faso vient d'être dévoilé aujourd'hui, jeudi 13 juillet 2023. Il est déjà minuit en Afrique. Donc on est à aujourd'hui jeudi 13 juillet 2023. Des plus de 200 citoyens burkinabés viennent d'être refoulé sur le territoire ghanéen. Allahu Akbar. Quelle honte. Les Ghana vient de refouler plus de 200 citoyens burkinabés. Je vais vous montrer les images tout de suite. Des mesures provisoires sont prises pour faciliter leur hébergement. Le constat de Kuala Yannibie et Amandine Al-Saga. C'est ici, à l'école A de Takola, que sont relogés les 250 Burkinabés refoulés du Ghana. Ce sont 35 hommes, 85 femmes et 130 enfants. Parmi les enfants, certains sont séparés de leurs parents. Ils sont arrivés là dans la nuit du mardi à mercredi. Nous n'avons rien compris. Je suis au Ghana depuis 2019. Et c'est lorsque je revenais du marché que j'ai été embarqué. Je n'ai même pas pu arriver chez moi. Je suis arrivé ici les mains vides. Ma femme et mes trois enfants sont restés là-bas. Mais nous avons été bien accueillis ici à Dakola. Malion, où est-ce que tu es refoulé, ni Burkinabé, où est-ce que tu es refoulé à Bogana? Où est-ce que Burkinabé m'a dit que tu es refoulé à Bogana? Atlantique est refoulé. Où est-ce que tu es refoulé à Bogana? Au même moment, Mauritanie fait Mali frontière. Ça nous fait que Mali ni Burkina hier des cas diagoué à quelle heure des tickets. On le coco en befla au contrôle. Mais c'est le Ghana qui refoule le peul burkinabé au Ghana. Tellement bien qu'elle n'en fait. Aïe, n'y a pas là de. Aïe, n'y a pas là de. Donc, où y a moi qui me flanque quoi de refouler. On a comment toi la main. Où y a des tiers refoulés car bon, Moussa n'a déjà de courant. À Moussa ni d'un sabbat. Car bon, à on est à la tête. Fera quelle honte. Dans un pays africain. Quelle honte! Et on a dit, mais on a dit, on a dit, sont relogés les 250 Burkinabés refoulés du Ghana. Ce sont 35 hommes, 85 femmes et 130 enfants. Parmi les enfants, certains sont séparés de leurs parents. Ils sont arrivés là, dans la nuit du mardi à mercredi. Nous n'avons rien compris. Je suis au Ghana depuis 2019. Et c'est lorsque je revenais du marché que j'ai été embarqué. Je n'ai même pas pu arriver chez moi. Je suis arrivé ici les mains vides. Ma femme et mes trois enfants sont restés là-bas. Mais nous avons été bien accueillis ici à Dakola par nos compatriotes. Ils sont arrivés bon, à pied parce que les véhicules ghanéens n'ont pas traversé la frontière. Je les ai déposés à la police d'immigration ghanéenne. Donc, c'est une troupe qu'on voyait venir. Vraiment, c'était déplorable. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre chargée de l'action humanitaire, Nandi Somé Diallo, est venue leur exprimer la compassion du. Où est Burkina Bauta, Ghana? Oumana oubla Burkina de, ou fling nga nyang onori. Ou sali, ou refoule. Sali, tchè, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Aye, c'est d'aouka, bon, y'a c'est d'aouka baradi. Ghana présent de flèpe ta Burkina de ou refoule ta bo Ghana. Kou bla tout konon, nga nyang onon. Kou tagama ou sena. Ala, demise nou, kou bo. Frafimay, non frafimay, non frafimay. L'homme noir là. Pas tous les noirs. Quelle honte. Hey, Antoine.
Il est réconforté. Hier dans la nuit, nous avions reçu une alerte faisant état du rapatriement de certains de nos compatriotes par la partie ghanéenne et qui ont été reçus dans trois régions différentes. D'abord hier, c'était dans la région du centre-sud et dans la région du sud-ouest. Et ce matin, il s'est ajouté la région du centre-ouest. Et ces compatriotes ont été répartis et refoulés. Voilà, par la partie galérienne, sans vraiment une information officielle venant de leur part. Jusque-là, le motif de leur rapatriement n'est pas connu, déplore la délégation gouvernementale. À travers notre ministère des Affaires étrangères, nous avions touché la partie ghanéenne pour avoir des informations précises par rapport à ce rapatriement. Mais jusque-là, au début des premières informations que nous avions reçues, voilà, la partie ghanéenne ne semblait pas être au courant de ce qu'on pourrait appeler ce refoulement de Burkinabé de leur territoire. Mais au fur et à mesure, les informations se précisent que nous sommes en train de recouper. J'ai entendu que ces personnes ont été refoulées sans même leur permettre de prendre leurs biens et nous sommes en train dans la dynamique quoi, de permettre qu'une délégation du côté du Burkina puisse se déplacer pour pouvoir rapatrier également les biens laissés derrière eux. Kougain, ça dit que dans Boroka Baraké Oro Lade, halo mouko, hal do matou kou fi, ou mousso be gana ou don be gana, kou ou mene kena made u boto baraka na ku mine dron ku bla camion na katou flifo tout kono katou flifo tout kono. Voilà le travail de la CEDEAO. Au bête ka djagoya kena de bla Burkina là, ils veulent attaquer le Burkina, ils veulent attaquer le Mali par la force, avec la bénédiction de l'OTAN, avec la bénédiction de la France. Kafiri kafiri nunu ala ka sampren djiga obe na be rena na sida mo be rena do ko mba ala dele ala ka sampren djiga ko. Voilà, aute à la fin. Achite à la do. Bilay talay. J'ai beaucoup de respect pour certains présidents. Mais ça, c'est la honte. Dans un pays africain. Et refouler son frère africain. Ne lui laisse même pas prendre ses bagages dans sa maison. Même en Europe, on ne fait pas ça. Voilà, les Français n'ont pas. Gana de fleur à ta bourgna bo gana bo gana. Halou moutoui. Vous savez, où est que la soubeke? Où y a coup d'état préparé contre Ibrahim Traoré. Où y a coup d'état préparé contre Assimi. Ils ont échoué partout. Ils ont échoué en communication. Ils ont échoué dans les tentatives de coup d'état. Maintenant, ils veulent aller. Ils veulent même... Vous pouvez faire quelque chose. Ils veulent passer par la, par la violence. Face to face. Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Avec la... Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà le cas de Burkina Faso. On rassure à nos compatriotes qui sont chez eux, qui sont au Burkina Faso, et que le gouvernement de la transition prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'ils se sentent chez eux. Également, c'est une occasion pour nous de prendre la communauté internationale en témoin. Parce que nous pensons que si des pays ont ratifié des conventions internationales, notamment la convention de Genève de 51, il va de soi que les gens respectent les clauses de cette convention. Séance tenante, des dispositions ont été prises pour leur prise en charge en attendant de trouver des solutions définitives. Voilà. Mais maintenant, Burkinabé, j'ai un message adressé au peuple du Burkina Faso. Je vais faire ça à un vocal à part. J'aimerais que les Burkinabés partagent cette vidéo. J'ai un message, un conseil au peuple du Burkina Faso, aux autorités du Burkina Faso. Aujourd'hui, j'ai dit 13 juillet 2023, ne tombons pas dans la provocation des Ghanaiens. Ne touchez jamais à un citoyen ghanaien. Je conseille aux autorités burkinabées de ne jamais chasser les Ghanaiens vivants au Burkina Faso. Ces gens veulent déclarer la guerre contre le Burkina Faso. Il faut que les Burkinabés fassent beaucoup attention. Il faut que les Maliens fassent attention. Le Ghana est en train de piéger le Burkina Faso. Quand ils vont chasser les Burkinabés vivants au Ghana, si les Burkinabés aussi chassent les Ghanaiens, ça va commencer à créer des problèmes. Donc, nous conseillons aux autorités burkinabées, au peuple burkinabé de rester calme, de ne pas utiliser la violence, ni contre les citoyens ghanaiens vivants au Burkina Faso. Amangini Burkina Kabefe, au Ghana. Ils sont dans la provocation parce qu'ils ont échoué de déstabiliser le Burkina Faso. Ils ont échoué
de déstabiliser le Mali. Ils veulent passer par la violence. Ils veulent passer par la provocation. S'il vous plaît, peuple burkinabé. S'il vous plaît, monsieur le président, son excellence Ibrahim Traoré. Il ne faut jamais chasser les citoyens ghanéens vivants au Burkina Faso. C'est un conseil. J'aime le Burkina. Je suis très amoureux du peuple burkinabé. C'est le pays des hommes intègres. Il ne faut jamais chasser les Ghanaiens. Il faut laisser cette affaire. Dieu est au contrôle de tout. Le Burkina ne tombera jamais. Inch'Allah. Et le Mali ne tombera jamais. Inch'Allah. Ils sont dans la provocation contre le Mali, contre le Burkina Faso. Donc, cher peuple du Burkina Faso, le peuple ghanéen sont vos frères. C'est le président ghanéen qui est le faux type, mais pas le peuple ghanéen. Faisons beaucoup attention, pas de violence contre les citoyens ghanéens. Restons ensemble, nous sommes les mêmes peuples. Il y a les Ghanaiens, le peuple ghanéen aime le peuple burkinabé comme le peuple burkinabé aime le peuple ghanéen. Les deux peuples s'aiment. C'est des politiciens vendus qui veulent créer les zizanies entre les deux populations, mais ils ont échoué. Donc, franchement parlé, c'est le conseil que j'ai à donner au peuple burkinabé de ne pas tomber dans le piège des Occidentaux. Les Occidentaux veulent créer la guerre entre le Burkina et certains pays voisins. Ils veulent créer les mêmes conflits. Ils veulent déstabiliser encore le Mali et le Burkina Faso. Mais ils vont échouer. Cher peuple du Burkina Faso, sachez que je suis burkinabé, je suis malien et je suis panafricain. Donc je suis, si quelque chose arrive au Burkina Faso, c'est comme la même chose vient d'arriver au Mali. C'est le même pays, c'est le même sang, nous sommes tous des Africains. Aucun son, aucun violence utilisée burkinabé au contrôle. S'il vous plaît, restons derrière nos autorités de la transition. Le président capitaine Ibrahim Traoré est un homme béni, est un président béni, est un patriote, le fils de Thomas Sankara. Donc restons derrière nos autorités. Faisons confiance à nos autorités. C'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu maudisse. Que Dieu fasse disparaître les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso, comme Thomas Sankara l'a bien dit. Vous vous rappelez bien, Thomas Sankara dit, les ennemis du Mali à bas, les ennemis du Burkina Faso à bas. Donc c'est le même peuple, c'est le même sang. Car faut Burkina Faso, mba a nyafo, bamanangana. Ka nyafo Burkina Faso, au kana vouli kabe gana yon kelede, oube ka dabwa kamadi. Oube ka dabwa kamadi, wala sa kelekado Burkina ni fen nyonche. Ils veulent créer la guerre. Ça, c'est la vérité. Donc, vraiment, n'est un conseil de Kanyafo. Et je sais que mes frères et sœurs du Burkina Faso vont comprendre ce conseil. Donc, vraiment, Akana Biokono. Donc, Beki Djidja, Bekana Biokono. Maintenant, Thomas Sankara a fait ça, non. Voilà, Thomas Sankara est comment contre les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso, Malien. D'après Thomas Sankara, le Mali et le Burkina, c'est le même pays. Donc, écoutons Thomas Sankara. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire, victoire, pouvoir, dignité, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Barabana, Sixi, Barabla. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Malien, on a information que Mambouloka a dit à Oma. Information que Mambouloka a dit à Oma. On a Kouéni. Il y a un bon vidéo là. Ame Malien, Béra Siré, Beka Prisa Assimi, Anga ou Souteni. Donc, au roi de dos. Il y a un bon vidéo là. Anga Karamoro, Noé, Sherif Chek Fiami Aydra, Nyaro Karamoro Modé. Vraiment, Sherif Kéré de Konosola, Alaka Barga de Fourla. Sherif Kéka Foura Kain. Konami bila, RNMI bila, diabète bila, tension bila, ne chirif chek ti ame ka fura te ka banabe bampi. Ka numéro 78-78-0303. Ame Mali Karamoko Befo. Ame Mali Soma, Mali Donso. Mali chrétien. Mali de la Nyamoko Bambou, Bela de l'Efo. Ou Beka Douaou de Tranchonye. Aya, Mourtan Doningela Be, Oulembe de. Mali Doningela Be. Mali Karamoko, Mali Donso. Afonaka Oulaka Delikoira, c'est ça. Aya, Oulaka Delikoira, Mali Soma ou Abemi. Mali Donso Abemi, Aïoulaka Deliko Iraka Asimi protégé, Ani Asimi Kalfa, Alala, Anya Kalfa, Malien de Bela Djela. Nemo Mese Ka Baramouke, Wala Sa,
ala ka mali kisi dingɛ kɔnɔ ma n dalen bɛ segukaw la segukaw bɛna wuli tile fila in na ka baaraw kɛ walasa mali ka bɔ a jugu bolo segukaw an bɛ ɲɔgɔn bolo maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jo bénisse le mali aw kan bɛn ciao ciao